festival OA, toujours sur le festival OA. On est dimanche, donc on a déjà accueilli un magicien ce matin, on a accueilli une chanteuse. Et là, parce que le festival OA, comme on disait hier, c'est pluridisciplinaire. C'est vachement dur à dire. Ouais, c'est donc, pas facile. Voilà. Bonjour, je te laisse te présenter. Voilà, je m'appelle Siopade. Et je suis. Alors, pour la petite histoire, Siopade, c'est mon nom d'artiste, c'est mon nom de famille à l'envers, parce que je m'appelle Diepois. Donc Siopade, et je suis artiste, sculpteur, peintre, un petit peu de photo aussi en domaine urbain et un petit peu d'urbex aussi. Donc principalement maintenant je fais de la sculpture sur de la pièce acier, en buste féminin, soit avec des écrous, des chaînes de vélo, et j'ai d'autres matériels sur lesquels je dois bientôt travailler. D'accord, donc là principalement sculpture, soudure. Sculpture, soudure, ouais, tout à fait. Ouais. Alors comment c'est venu ? Ouais, c'est venu pour diverses raisons. J'ai commencé la peinture il y a une dizaine d'années. Et j'avais des périodes d'inspiration, des périodes un peu moins inspirantes. Et pendant 6 mois, je faisais rien. Après, je refaisais 3-4 toiles. Après, je refaisais rien. Et j'étais en manque de création. Et l'année dernière, j'ai commencé à faire des lampes de bureau, des lampadaires en acier. Et j'ai bien aimé le contact avec la matière. Alors, j'aime bien la matière. En peinture, je travaille sur la peinture à l'huile, au couteau. Okay. Pour les mélanges de matière, etc. Et donc ça faisait un même univers de travail avec une matière acier qui est un peu plus brute, quoi, brute de décoffrage. Et donc suite à ces lampes, je me suis essayé à la soudure sur un premier buste, et puis on est venu un deuxième, un troisième, un quatrième, et puis après avec des idées toujours plus grosses et plus folles, quoi. Voilà, moi j'ai été voir sur le site de OA les bustes en écrous, donc en fait c'est plein d'écrous. C'est ça, ouais, il y a environ 600 écrous sur un buste féminin qui fait environ 70 cm de haut, que moi personnellement je mets sur un vieux disque de France, que c'est un peu du récupart aussi par la même occasion. C'est disque de frein. Moi quand j'ai regardé, je croyais que c'était des embrayages. Je croyais que c'était des disques d'embrayage. Disque de frein, ouais. D'accord. Disque d'embrayage, avec des disques d'embrayage, j'ai fait des fleurs. Tiges filetées, qui donnent un petit bouquet de fleurs. C'est ce truc là que j'ai dû voir. Un petit bouquet de fleurs en disque d'embrayage. Et spécialement pour OA, j'ai fait donc un corps féminin qui fait 1m80 sur une porte qui fait 2m25. Et là qui est faite 100% avec de la récupération de chaînes de vélo. Okay. En partenariat avec Guidoline, qui est une association sur Rouen qui répare les vélos, c'est un échange de connaissances, c'est-à-dire que tu viens avec ton vélo qui a un problème, quoi, et ouais. C'est là qui tu prends la participation à l'association et tu répares ton vélo grâce à eux en quelque sorte. Ils t'apprennent. Donc et eux me mettent tout de côté, les chaînes de vélo, les disques d'embrayage, les patins, les disques de frein, les pédaliers, etc. Et à partir de ça, il te faut de la matière, de la récup, voilà, de la ferraille, voilà. Etc. Et après, une fois que tu as suffisamment de stock, que tu vois ce que tu as, après tu crées, tu fais avec ce que tu as sous la main, et puis après, voilà, en fonction de l'inspiration, tu te lances dans un projet plus ou moins fou, quoi. Ok, alors nous on est une web TV avec des jeunes, principalement, ouais. Donc on parle souvent aux ados, etc. Pour leur donner envie. Alors qu'est-ce qui t'a donné, toi, le déclic je vais faire artiste. En gros, t'es un artiste. Bah, moi j'ai commencé par la peinture, comme ça, juste comme ça, pour m'occuper. Je prenais une petite toile, j'ai commencé, et puis je me suis prêté un petit peu au jeu. Et au fur et à mesure, je faisais partie d'un groupe, sur Facebook, un groupe humour, on était 80. Et je partageais, donc on se racontait des conneries et tout ça. Après, je partageais un peu mes œuvres et les gens aimaient bien, etc. D'accord. Et au début, on m'a dit, t'es un artiste. Moi, je me sentais pas du tout artiste. Et au fur et à mesure, j'ai continué. Et les gens me disaient, mais non, t'es un artiste, t'as une patte, on te reconnaît, etc. Ouais, et puis tout ça est venu bout à bout, et le déclic était un problème de santé. Je suis tombé sur d'un escabeau. Je me suis écrasé à l'intérieur de l'escabeau, et j'ai eu la coiffe des rotateurs de l'épaule j'avais deux tendons de sectionnés, donc sur lesquels j'ai été obligé d'être opéré. Et donc je me suis retrouvé pendant 2 mois le bras en écharpe. Et là, pour oublier la douleur, j'ai commencé à créer. Donc, c'est-à-dire que j'ai commencé à dessiner, je me suis moi-même surpris à faire des dessins d'animaliers, etc., qui rendaient pas mal. Et là, je me suis ouvert à moi-même en quelque sorte, et après j'ai commencé à faire de la peinture à une main,
où pareil, j'ai réussi à sortir des trucs qui rendaient bien. Et donc là, c'était un petit peu ce déclic, la coiffe des rotateurs, c'était le déclic artistique. Et après, quelques mois après, je faisais ma première expo en solo à Neuchâtel-en-Bray, dans une chapelle du 14e siècle, sur deux week-ends. Et au fur et à mesure, voilà, après, j'ai fait des salons, j'ai refait une deuxième expo sur Rouen, au Moulin de Panevert. J'expose régulièrement à Expotech 103 à Rouen, qui est un musée vivant. C'est que des vieilles machines industrielles, donc de la presse, des tourneurs. C'est super intéressant pour les jeunes, parce qu'on voit à peu près 150 ans d'industrialisation. Donc là-bas, j'expose assez souvent. Okay. Et donc depuis l'année dernière, je suis devenu pro. Donc maintenant, je suis artiste-auteur avec un numéro de Siret, et je développe mon activité. Full-time job. Voilà. Alors, c'est une activité parallèle à la mienne, mais je développe mon activité artistique en parallèle de mon activité professionnelle. Cool. On va parler un peu du festival. Toi, t'es venu voir qui en musique ? Non, moi je suis venu voir personne, parce que comme j'expose, je suis là pendant deux jours. D'accord. Mais je pense que moi le l'énigme marron était plus la mise en feu ouais. La mise en feu de la scène. C'est un peu plus de ma génération aussi, oui. par rapport aux chansons qu'ont 20 ans, quoi. Bon, moi j'ai pris 50 balais hier sur le festival. Ah ouais, génial, donc, merci. Donc voilà, après non, après c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'artistes. Bon, c'est une première, mais bon, c'est vraiment un beau truc. Et, ouais, c'est chouette. Et ça a vraiment été fait vraiment dans les règles qu'il fallait, quoi. Ok, on peut te suivre ? T'as des réseaux ? Ouais, j'ai des réseaux. Donc, j'ai mon site internet qui est siopaid.com. Ok. Ensuite, j'ai ma page Facebook qui est siopaid, S-I-O-P-E-I-D. Après, j'ai mon Facebook perso qui est JP Siopaid. Sur Instagram, c'est JP Siopaid aussi. Ok. Et je crois que TikTok, ça doit être siopaid.jp, parce qu'à des moments, ça marche à l'envers, quoi. Donc, je suis sur les réseaux. Ouais. Et je te remercie de nous avoir accordé 5 minutes, c'est cool. Merci beaucoup à vous. Merci Siopaid, merci. Salut. Salut.